Farm. Bonjour Madame Guénéou. Bonjour Steve. Merci en tout cas pour votre invitation. Mais écoutez, c'est un grand plaisir. Ça me touche énormément. Réciproquement. Merci. Bien, pour nos camarades, présentez-vous pour ceux et celles qui ne me connaissent pas. Alors bonjour tout le monde. D'abord, je suis Laetitia Guénéou, coiffeur ambassadeur L'Oréal professionnel, coiffeur studio qui relie le cinéma, la télé, la mode. Et puis aussi, je fais partie de l'équipe de création de la Haute Coiffure française, qui est un groupement de coiffeurs qui réunit une cinquantaine de pays et qui sont là donc, pour un petit peu, on va dire, des influenceurs de mode et de tendance. Très bien. Vous commencez votre carrière à quel âge à peu près ? 16 ans ? J'ai commencé ma carrière à 16 ans. Oui, c'est tôt. Oui, c'est tôt. Bah, dans la coiffure, on commence tôt. Hein. D'accord. On commence tôt parce qu'en fait, on a, à l'époque, en tous les cas pour ma part, c'était 3 ans d'apprentissage. Ensuite, 2 ans pour arriver à avoir le brevet professionnel. Donc, il y a 5 ans d'études. Ok. Et c'est vrai que c'est un métier où, qui est quand même... Et au bout de 5 ans, on ne s'est pas abouti, c'est jamais abouti parce qu'on reste vraiment des éternels apprentis, éternels, je dirais. Ce qui est éternel. Depuis tout petit, vous voulez devenir coiffeur ? Pas du tout. Ah non. Non, non. Atypique chez moi parce que personne dans ma famille n'est coiffeur. Et d'accord. Au départ, moi, j'avais envie d'être psychologue. Mais je me suis rendu compte que, en fait, avec le temps, la coiffure, c'est quand même un métier où la psychologie prend une grande part. C'est vrai, oui. Oui, donc je ne regrette pas. Il y a une part d'humanité. Oui, voilà, de comprendre les gens, de sentir à quel moment ils ont envie de changer, de les aider en tous les cas à trouver leur identité, leur personnalité. Donc ça demande beaucoup d'écoute. Très bien. Donc parlez-nous de votre rencontre avec L'Oréal. Alors, comment ? Ma rencontre avec L'Oréal s'est faite en 93 exactement. Je travaillais pour un magazine qui s'appelait Coiffeur de Paris. Et pour ce magazine, il y avait un monsieur qui était un peu responsable du shooting et qui était aussi, qui était en fait directeur artistique d'un groupement qui s'appelait Intercoiffure. D'accord. Un groupement de monsieur Alexandre de Paris, qui a fait un peu connaître la coiffure un peu dans le monde, partout en tous les cas la coiffure française. Et cette journée s'était super bien passée. Et il m'avait demandé si je pouvais faire un jour expliquer un petit peu ce que c'était qu'un coiffeur studio à travers un show sur une scène. D'accord. À l'époque, moi, pour moi, la scène, c'était plutôt des danseurs, des chanteurs, des comédiens, mais je ne voyais pas un coiffeur sur une scène. Et j'étais un petit peu surprise comme ça. Et il m'a expliqué, il m'a dit voilà à quoi ça consistait. Et j'ai trouvé le projet intéressant. Donc j'ai fait ce show et ce jour-là, étaient invités bien sûr tous les grands pontes de L'Oréal au premier rang, je ne les connaissais pas, ils m'ont vu travailler et ils m'ont tout de suite contacté en proposant de devenir leur ambassadrice. D'accord. Et là c'était encore une deuxième surprise pour moi parce que qu'est-ce que ça pouvait être l'ambassadeur L'Oréal professionnel. Et voilà, et cette belle histoire en tous les cas, elle est là depuis 1993 à nos jours et j'espère encore pour un certain temps. Donc vous travaillez pas seul, en équipe, ça il faut prendre en compte l'aspect équipe. Alors dans oui. Dans vos shows par exemple. Toujours parce qu'on est une grande équipe, parce qu'on a besoin effectivement d'avoir des assistants, mais oui. Quand on fait un show, on a besoin d'avoir une directrice de casting, on a besoin d'avoir des gens qui soient des techniciens couleurs pour préparer tous les mannequins et les couleurs, on a besoin d'avoir des make-up artistes, des metteurs en scène, ben, quelquefois des danseurs, ça arrive, hein, selon les shows, ou des acteurs. Donc voilà, ça nécessite effectivement beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens. J'imagine. Comment vous préparez vos shows ? Vous avez une idée ? Ben, au départ, il y a... À la base ? C'est tout un process, en D'accord. fait, oui. Il y a, soit c'est un show qui est relié à un lancement, c'est-à-dire un lancement de couleurs ou un lancement de produits, soit c'est un show qui est relié à une collection qu'on va lancer. D'accord. Et donc moi, j'essaye de trouver, de créer une histoire autour de soit du produit, soit de la couleur. Et de là, je raconte une histoire. Donc, je travaille d'abord un peu toute seule au départ. Ensuite, je fais un brainstorming avec mon équipe, c'est-à-dire metteur en scène, les gens de la direction artistique aussi chez L'Oréal, quand c'est pour la haute coiffure, bah, avec l'équipe de création de la haute coiffure, etc. Et voilà. Et on essaye de monter les cerveaux fument, je dirais un petit peu. L'histoire voyage, l'embryon voyage de personne à une autre. Et de là naissent souvent les très grandes idées. Donc le fait de voyager beaucoup à travers le monde, ça vous aide au niveau inspiration ? Ah oui, c'est très, très inspirationnel. Tout est inspirationnel. Hein, oui. Mais
Aujourd'hui, c'est vrai que moi, mes voyages m'apportent énormément parce que, alors beaucoup plus avant, je dirais encore qu'aujourd'hui, Ah oui, d'accord. ben parce qu'aujourd'hui, avec la mondialisation, les tendances sont mondialisées, les femmes sont toutes plus ou moins coiffées, habillées, pareil. Ah d'accord. Alors qu'avant, il y avait vraiment, il y avait des tendances dans les pays qui étaient spécifiques au pays. D'accord. Et je trouvais ça très intéressant. Et D'accord. aujourd'hui, ce qui m'inspire le plus, c'est un peu, je dirais, ça peut être un petit moment que je vais, si je vais aller dans, si je vais dans un musée, par exemple, parce qu'il y a une expo intéressante à ce moment-là, dans tel ou tel pays, ou la culture du pays, ou quelquefois en parlant avec les gens même. En leur disant, ben alors, comment vous voyez votre pays dans les 10 prochaines années? Donc, ils me disent, ben voilà, nous, pour nous, la tendance, par rapport à notre culture ou par rapport à ceci ou cela, c'est plus, on a plus envie d'aller vers là. Et Oui. voilà, et tout ça m'enrichit. Ce sont les mots, les couleurs, les formes, les gens que je rencontre. Et une grande inspiration, en tous les cas, quand j'ai pas d'idée comme ça, mais c'est la nature. D'accord. J'adore observer la nature, les saisons. Ne serait-ce D'accord. que pour avoir des idées de couleurs aussi, des idées de mélange comme ça, la nature, je veux dire, on n'a rien inventé, quoi. Tout est dans la nature déjà. C'est vrai. Hein? Tout Non, est dans c'est la vrai. nature, c'est incroyable. Quand on sait l'observer, parce qu'il faut l'observer. Alors, il y a une façon de l'observer. Il y a le fait qu'on observe avec les yeux, mais il y a aussi l'œil du cœur. Et moi, je suis, en tous les cas, j'essaye d'avoir des antennes comme ça partout, de capter, de tout capter. Oui. Et je trouve que c'est comme ça aussi qu'on se nourrit, quoi. Oui. En oubliant complètement mon métier, en oubliant ma matière première qui est le cheveu, et en allant plus vers des choses naturelles et vraies. Bon, du coup, en parlant de cheveux, il y a l'aspect alimentation qui joue, pas que forcément le Pour avoir des beaux produit, cheveux, voilà, pour hein? avoir des beaux cheveux. Oui. Il y a le fait de le nourrir à l'extérieur Voilà, par oui. des bons produits, et il y a le fait de le nourrir à l'intérieur. Parce que quand même, on le sait tous, l'intérieur reflète, hein, ce qui se passe à l'extérieur reflète un peu notre intérieur. Et c'est vrai que moi, me suis beaucoup, beaucoup intéressée, en tous les cas, à la nutrition. D'abord pour moi, personnellement. Quand j'ai vu les effets que ça faisait sur moi, je me suis dit, tiens, ça c'est quelque chose, je dois en parler en tous les cas, pour mon métier. Oui. J'en parle beaucoup pendant mes formations. Et je trouve que de bien se nourrir, c'est très important. Le sommeil, la nourriture, et en tous les cas, surtout se nourrir avec des produits de saison. Oui. C'est important. Parce qu'aujourd'hui, avec la mondialisation, on peut avoir des tomates l'hiver, on peut avoir des fraises l'hiver. C'est vrai. Voilà. Donc, non, moi j'essaye en tous les cas de me nourrir vraiment avec des produits de saison. Et avec que ce soit là, hier par exemple, j'ai été voir une fromagère qui m'a montré ses chèvres, qui m'a expliqué un peu D'accord. comment elle faisait son fromage de chèvre. C'était excellent, quoi. Oui. Voilà, je suis ressortie de là, je savais d'où venait mon fromage, quoi. Exactement, Alors il faut oui. acheter local, c'est très important Local, aussi. oui. Ouais, c'est Puis très ça crée important. des liens en même temps avec. Vous avez raison, ça crée des liens et puis ça me permet de rencontrer des gens aussi passionnés que moi. Par leur métier Oui. et qui ont envie, eh ben, à chaque fois, je veux dire, que je prends une petite bouchée de ce fromage de chèvre, je pense à cette dame qui se lève le matin à 5 h, qui va traire ses chèvres et qui aime ses chèvres, quoi, qui les adore et qui les, en tous les cas, cajole tous les jours. Non, mais oui, non, c'est vrai que c'est Et joli. ça se ressent aussi dans la qualité en Oui, tous les cas, de ce que l'on mange. non, c'est vrai, c'est Hein? vrai. Donc, si vous avez fait un autre métier, vous auriez choisi quoi? L'humain, d'être proche de l'humain tout le temps. D'accord. Alors je voulais être psy quand j'étais ado, Psychologue, oui. voilà, parce que j'étais proche de l'humain. Je me suis rendu compte qu'en fait, en vieillissant, pour moi l'humain c'est très important. Oui. J'aime être entourée, j'aime partager, j'aime échanger, j'aime recevoir, j'aime donner bien sûr, mais l'humain c'est la première chose. Voilà. D'accord. Donc tous les métiers qui peuvent me relier à l'humain me plaisent. D'accord. Et alors encore plus mon métier, parce que on essaye de les rendre beaux, et dès que les gens sont beaux, ben ils sont heureux. Et C'est voilà, vrai. c'est notre petite contribution à leur bonheur. C'est vrai. Ouais. Si vous avez une personnalité à coiffer, vous choisirez qui? Comme personnalité? Ou un Qui proche, n'est hein? plus là, Ah oui? ou peut-être, bon, en tous les cas pour une personne qui n'est plus là, Mère Teresa, l'abbé Pierre, voilà, parce que ces D'accord. gens-là me touchent. Je trouve qu'ils ont tellement œuvré pour l'humanité, ils ont tellement fait Oui. de choses, Coluche, voilà. Aujourd'hui, pour des gens qui sont là, ben, je dirais
Bah, tous ces gens qui rêvent d'être beaux et qui n'ont pas toujours les moyens. Oui. C'est pour ça que les Restos du Cœur, c'est super. Parce qu'il y a maintenant, en tous les cas, une ouverture qui se fait vers les Restos du Cœur pour nous, les coiffeurs, grâce à un coiffeur qui s'appelle Thierry Tisserand, qui a fait des belles et grandes choses pour tous les gens qui n'ont pas les moyens. D'accord. Parce que le coiffeur coûte cher quand même. Okay. Enfin, pour ces gens-là, en tous les cas, ce n'est pas donné. Oui. Mais ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas d'argent qu'ils n'ont pas le droit d'être beaux et pas le droit, en tous les cas, plus les aider pour être heureux. Non, c'est vrai, c'est vrai. Vous enseignez aussi, vous formez. Oui, j'ai beaucoup d'éducation. Oui. D'accord. C'est très important pour vous de transmettre. C'est très important parce que moi, la vie m'a beaucoup gâtée, sincèrement. D'accord. Et je trouve que quand la vie nous gâte et nous donne des beaux cadeaux, eh ben, ces cadeaux-là, il faut de nouveau les offrir. Sinon, on ne reçoit plus. Oui. Je suis persuadée de ça. Donc, j'aime éduquer parce que dans l'éducation, je trouve que c'est aussi un relais. On n'est pas éternel. Et qu'on a besoin de préparer une relève et qu'on a de la chance, grâce à M. Alexandre de Paris, qui a fait rayonner en tous les cas la coiffure, la haute coiffure, que ce soit la haute coiffure française ou intercoiffure ou d'autres, dans le monde entier, et que la touche française est très recherchée, que ce soit dans la couture, dans plein de domaines, hein, dans plein de domaines. Et notre rôle à nous, justement, c'est de créer ce relais et de préparer en tous les cas la relève. D'accord. C'est une belle initiative. Hein. Une belle initiative, oui. C'est un peu comme accompagner, comme un peu les maîtres compagnons. Oui. Voilà. C'est un petit peu en tous les cas, dans ce chemin-là que j'essaye, moi, de mon côté, je dis toujours ma petite contribution, d'apporter tout mon savoir, tout ce que j'ai pu apprendre, tout ce qu'on a pu me donner aussi. Oui. Si vous avez un souhait à faire, à réaliser, vous choisirez quoi comme souhait? Ça serait. Ça serait le bonheur, le partage, l'échange, voilà. Je parle toujours de bonheur et je parle toujours d'amour parce que j'en vis dans un monde aujourd'hui où on est un peu, malheureusement, on vit dans une société où on nous apprend à être de plus en plus individualiste, de plus en plus à développer de plus en plus notre ego. Conditionné. Voilà, on est conditionné pour toujours être les meilleurs, briller, pas vieillir, pas ceci, pas cela. C'est en France où vous ressentez ça? Non, je le ressens partout. Ah, sincèrement, je le ressens partout. D'accord. Il y a des pays qui sont peut-être un peu moins touchés, mais quand même, il y a toujours cette performance qui doit être présente et on pousse les gens de plus en plus à se surpasser. Alors c'est très bien, hein, je ne suis pas contre ça, mais je trouve qu'on doit avoir un équilibre. Tout est une question d'équilibre dans la vie. Il y a la famille, il y a les amis, il y a la passion, il y a son métier, il y a tout ça. Et je trouve qu'il faut qu'on puisse vivre en harmonie. En harmonie et qu'on prenne plus le temps de se parler et de se dire qu'on s'aime. C'est vrai. Voilà. La notion de temps est importante. Très importante. Et je trouve qu'aujourd'hui, le temps est devenu un vrai luxe. Et il faut faut arrêter de courir après le temps. Il faut au contraire essayer de stopper le temps et de se dire, ben voilà, cette journée, elle est pour moi. Ou elle est, cet après-midi, est pour ma famille. Il n'y a rien d'autre qui rentre, qui va venir perturber en tous les cas cet instant avec mes amis, avec ma famille ou avec même des gens que je ne connais pas parce que j'ai envie d'aller vers eux. Voilà, c'est tout ça. Très bien. Alors, dernière question, est-ce que vous avez un mot de la fin pour nos camarades? Un mot de la fin, oui. Bah oui, je dirais, soyez, osez d'abord, osez. N'ayez pas peur, faites les choses avec bonheur, faites les choses par amour, parce que tout ce que l'on fait par amour ne vous rend heureux qu'à partir du moment où c'est fait avec la graine de l'amour. Voilà, moi j'ai fait ce métier par amour et je ne le regrette pas, c'est un métier qui m'a rendue heureuse, qui m'a fait rencontrer des gens formidables au quotidien, tous les jours, depuis que j'ai commencé et encore pendant des années, je suis persuadée, mais faites un métier qui vous convienne, c'est important, très important. Très bien, sur ce, merci pour tout. Merci à vous, merci pour tous ceux qui vont nous écouter en tous les cas. et merci à toi Steve, parce que je sais que tu as l'initiative de cette idée. Bravo d'avoir réuni des personnes toutes ces personnalités. Comme toi, merci tu contribues à cette aventure. Merci. En tous les cas, longue vie. Merci.